Bonjour Muriel. Bonjour Marion. Je suis contente qu'on fasse ce live ensemble. Mais moi donc, et moi donc, plutôt deux fois qu'une, comme dirait Forestier. C'est ça. Alors, on va parler au sujet de la rédaction des emailings, donc vraiment du contenu de l'email. D'accord. Moi, je vois souvent que c'est un sujet, en fait, que peu de personnes s'emparent. C'est-à-dire que on parle pas du fait. On ne parle pas de compétences, par exemple, de créer un emailing. C'est quelque chose qui, voilà, quand on recrute quelqu'un, un chargé de campagne, on lui dit, bah, faut créer des emails, mais il va être formé sur l'outil, sur paramétrer un email, etc., mais pas tellement sur le contenu, la rédaction. Et du coup, moi, ce que je constate, c'est que très souvent, les contenus des emails, c'est assez promotionnel, voire trop promo. C'est des fois un peu lourdingue. Enfin voilà, il n'y a pas de choses qui sont très impactantes. Alors on essaie, pour améliorer les stats, les taux d'ouverture, de clics, etc., on essaie de mettre des petits émoticônes, de faire un jeu de mots, de mettre des petits clins d'œil, etc. Mais voilà, ça révolutionne jamais le truc. Moi, à titre personnel, je constate qu'il y a quelques marques. Voilà, qui arrive à faire du contenu impactant. Enfin, moi, je voulais avoir ton avis là-dessus. Pour toi, c'est quoi un email impactant ou un contenu impactant? Alors, on va parler d'email évidemment, hein, mais c'est quoi un email qui est impactant? Parce que un email, c'est un média de temps court ou pas, d'ailleurs. Un média de temps court, je veux dire, souvent, il est lu, quoi, on va rester quoi, 10 secondes max sur un email, 10-15 secondes max, hein, grand max. Et encore, il faut, en général, au bout de 2 secondes, il faut déjà capter l'attention pour qu'il reste au moins 10 secondes. Voilà, c'est quoi pour toi un email impactant? Attends, parce que j'ai pris des petites notes parce que je voudrais revenir sur différents éléments que tu as dit. Le Allez-y. premier élément, déjà, tu vois, c'est que quand on parle de rédactionnel, que ce soit dans l'écrit web en général, que ce soit un site internet, un blog, une newsletter, un email, il faut distinguer le rédactionnel et l'éditorial. Et je pense qu'à partir du moment où on met dans les mains des gens un outil, tu vois, pour envoyer des emails, effectivement, la compétence rédactionnelle, tu vois, et éditoriale, ben, elle n'est pas associée nécessairement à la compétence marketing, à la compétence technique, etc. Donc, il y a déjà ça. C'est vraiment une compétence en soi. C'est un peu, si tu veux, le même phénomène que quand on disait, bah, tout le monde sait communiquer. On n'a pas besoin d'équipe communication dans une boîte, tu vois. Ou c'est, voilà. Donc, on croit que tout le monde sait rédiger un email parce que tout le monde fait des emails pour les collègues, tu vois, pour la famille, etc. Donc, je pense que déjà, alors c'est important pourquoi je le dis, parce que c'est à partir de ça que l'expérience éditoriale, tu vois, que l'expérience de contenu va se faire. C'est dans la signature, c'est dans la tonalité, ça va être dans la relation, le relationnel qu'on va mettre à travers le rédactionnel. Le rédactionnel en tant que tel, si tu veux, c'est effectivement assez transactionnel, c'est un peu froid. Ça va être tout ce qui va être plutôt, tu vois, la proposition de vente, la proposition de valeur, les caractéristiques produits, les avantages, les bénéfices pour l'utilisateur, le contenu de la promotion, etc. En revanche, la couche éditoriale, c'est comme dirait Victor Hugo, c'est la forme qui fait ressurgir le fond. Et la forme, c'est pas du graphisme, c'est vraiment dans l'éditorial, le choix des mots, le rythme qu'on va mettre, tu vois, dans le contenu, etc. Donc ça, c'est un aspect. Du coup, tu as dit souvent, c'est trop promotionnel. Je pense qu'effectivement, là où le bât blesse très souvent, c'est qu'on oublie que dans un discours d'une marque, il y a trois piliers. Il y a le côté, ce que tu dis promotionnel, qu'on appelle le discours transactionnel. Et là encore, c'est proposition de valeur, bénéfice utilisateur, tout ce qui va rassurer et permettre à l'utilisateur de se projeter dans l'expérience du produit, tu vois, à travers des éléments palpables, tangibles. Mais il y a le côté aussi inspirationnel, c'est-à-dire, ben oui, c'est prendre c'est prendre l'imaginaire de la personne, c'est la projeter à travers une expérience beaucoup plus globale. En général, ça d'ailleurs, c'est pas de la réponse produit, c'est de la réponse marque. C'est-à-dire qu'on va catapulter l'utilisateur dans une expérience autour de la promotion qu'on va faire ou de mais qu'on va produire. Et puis il y a le dernier aspect qui est très important, c'est le relationnel. Faut pas oublier que l'email quand même, ben, il y a quelque chose d'assez entre soi. C'est de l'entre-soi, l'email. C'est-à-dire qu'on le reçoit dans sa boîte à lettres. Alors, on n'est pas dupe. Hein. C'est pas pour rien que très souvent, d'ailleurs, Jonathan et ton équipe, vous aimez pas les no reply at, parce que, voilà, parce que c'est anonyme, parce que c'est pas jouer le jeu.
Et effectivement, c'est pas jouer de jeu. On oublie, on a tendance à oublier que l'air de rien, l'email, fait partie de la tradition épistolaire. Et parce qu'on reçoit personnellement un email dans sa boîte auquel vraisemblablement on a souscrit, puisque c'est-à-dire qu'on s'est inscrit pour recevoir les newsletters, qu'on s'est inscrit sur le site pour acheter en ligne ou pour abandonner son panier, eh bien ce relationnel, il est essentiel. Et dernière chose, je voudrais revenir sur ce que tu disais sur c'est un temps court, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Je pense que c'est un temps court quand on prend l'unité email tout seul. Mais tant qu'on concevra effectivement qu'un email, il est tout seul et que ce n'est pas de la conversation et que ce n'est pas du relationnel, un peu comme quand on a, tu vois, une pote, une copine ou la famille à qui on donne un coup de fil, puis la semaine d'après, il y en a un autre, et puis la semaine d'après, il y en a un suivant, c'est de la relation encore. Un email tout seul, aujourd'hui, on ne peut plus considérer un email indépendamment, juste comme ça, tu vois, comme un tenté. Il faut le créer dans une expérience. L'expérience, c'est de la relation, c'est du long terme, ça s'amplifie, ça bouge. Et donc, je pense que ça aussi, c'est que tant qu'on concevra un email avec, si tu veux, l'objectif de faire un taux d'ouverture, de faire un taux de clic et de la conversion derrière, et qu'on, du coup, ben, on négligera un peu le relationnel et l'inspirationnel, on perdra sur un potentiel de qualité, à la fois créativité, positionnement de la marque, tout simplement, identité, tu vois, de la marque aussi. Donc, en fait, pour toi, quand on parle de… Je reprends tes mots. Hein, tu vois, par exemple, nous, en email, on parle, quand on structure un email, on parle de bloc du header, bien évidemment, là où tu as le logo, bien sûr. Le bloc principal, là où tu as l'offre, où… ce dont tu as envie, ou alors le contenu principal de l'email, l'article principal quand il s'agit d'une newsletter. Et après, tu as tout ce qu'on appelle chez nous le bloc de réassurance. En général, c'est là où tu as plutôt du caractéristique produit ou service, du type livré en moins de 24 heures, made in France, etc. D'accord. Et après, tu as un bloc contact qui dit comment nous contacter, etc. Donc, d'accord. Ça, c'est plutôt des caractéristiques produit ou service. Toi, tu dis qu'il faut dépasser ça. Et c'est plutôt dans le choix des mots au travers de tous ces blocs. C'est ça. Réussir à faire ces trois choses dont tu disais, donc inspirer, se projeter et faire du relationnel. C'est bien ça. C'est ça. Donc on a, oui, alors si je reprends tes éléments, hein, dans le header, tu vois, dans le jargon, donc j'ai évoqué tout à l'heure, il y a le rédactionnel et l'éditorial. Le rédactionnel, très souvent, je dis, en fait, dans le rédactionnel, surtout dans l'email, c'est de l'ingénierie, en fait, rédactionnelle. Ton header, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, nous, un micro-contenu d'appel. De la même manière que quand tu as, si tu veux, la bande-annonce d'un film, le quatrième de couverture d'un bouquin, le jingle d'une émission radio, c'est un micro-contenu d'appel qui doit effectivement, tu vois, attirer l'attention et déjà, tu vois, saisir le cerveau, quoi. En dessous, tu vois, le petit introduction que tu donnes, c'est là qu'on met la proposition de valeur. Et donc, tous tes éléments, tu vois, on suit la même structure que ce que tu évoques toi, tu vois, chez nous quand on rédige des emails. Et quand on parle d'éditorial, c'est l'habillage, c'est ce que je te dis, c'est le forme qui fait surgir la fond. Et donc, c'est effectivement dans une tonalité, c'est, alors, tu évoquais les émoticônes là tout à l'heure, je pense que, tu vois, dans le choix des mots, d'un registre de langue, tu vois, d'un séquençage aussi, dans, tu vois, une phrase courte, sujet, verbe, complément, soit tu fais du pro, soit tu fais du duras, soit tu fais, on peut être, tu vois, créatif aussi dans la réaction d'un email. Maintenant, les blocs que tu as dit, ils sont essentiels. Si tu n'as pas ça, et ça, c'est le côté transactionnel, bah, effectivement, tu ne vends pas, tu vois, tu, voilà. Et du coup, tu ne fais pas de relationnel non plus. Si tu n'as pas ton bloc de réassurance, si tu n'as pas, tu vois, tes bénéfices produits, ça ne sert à rien. Tu prends du temps de cerveau inutilement. En revanche, c'est, je pense que les deux, voilà, les deux aspects, tu vois, par lesquels on peut sensibiliser ceux qui nous écoutent et qui nous voient sur ce que c'est la forme et le fond, c'est vraiment de se dire que il faut que dans nos emails et dans l'épistolaire qu'on a avec les clients, le client puisse se dire « Ah, c'est une femme qui écrit ça, c'est un homme, il est, tu vois, en basket All-Stars ou c'est plutôt col-cravate » ou c'est donner une identité. Ressentir. Donner, voilà, exactement. De l'émotionnel, mais j'aime pas le côté émotionnel parce que c'est l'effet « waouh », tu vois, je déteste ça. C'est de l'émotionnel au sens du vrai relationnel, quoi. C'est vraiment de se dire « C'est écrit pour moi ». Et donc, le mec qui a écrit ça, la nana qui a écrit ça, elle n'a pas juste fait un truc comme ça, tu vois, pour me balancer son mail, tu vois, et un email de rappel, panier oublié. Non, c'est qu'ils prennent le temps d'être dans la relation avec le client. Ils s'engagent autant dans la relation avec le client. Justement, moi les emails qui… Alors, moi, c'est le défaut du métier. Hein. Quand je reçois un email, je scrute un peu pour voir comment ça a été écrit. Et les emails qui sont impactants pour moi, j'ai l'impression, c'est quand c'est écrit par des toutes petites boîtes. Où tu as 2-3, en fait, les mecs qui sont vachement animés par ce qu'ils vendent,
ou par ce qu'il propose en termes de service. Et limite, c'est peut-être le fondateur qui écrit ça ou le bras droit. En général, ils sont 3-4 et ça fait tous, ils font tous partie, en tout cas, du début d'une entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut de la sincérité pour écrire des emails? Ben, il faut de la sincérité et puis il faut de la connaissance client. C'est que dans les petites boîtes, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en général, ta base de données, toi-même, tu vois, tout le monde chipote un petit peu au marketing, même si t'es, tu vois, du côté technique. Et donc, on connaît ses clients, en fait. Et donc, quand tu écris un email, tu te figures très, très bien à qui tu vas écrire. C'est de la sincérité, mais c'est de la sincérité qui est basée sur de l'authenticité. T'es pas sur un persona, tu vois, standard avec, tu vois, l'âge, la ville, les besoins, les attentes, les réponses. Donc, effectivement, il y a une connaissance. Donc, pour moi aussi, tu ne peux pas partir dans une stratégie de contenu, tu vois, email, sans vraiment avoir, tu vois, voilà, avoir rencontré ton client d'une manière ou d'une autre, donc sans avoir été voir ton service après-vente, ton service avant-vente, ton service vente, plutôt d'ailleurs que ton responsable produit, en fait. Alors, enfin, là, ok, mais quand tu es une grosse boîte demain qui emploie 5 000 personnes, qui a une base de données de 500 000 contacts, toi, tu arrives en train de charger de campagne, Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est tu ne qu'il vas pas faut être le bon. donner, non, il faut donner au, il faut, alors ça, c'est le problème, si tu veux aussi, de structuration de la stratégie de contenu dans les grosses boîtes. C'est que ça fait des années que moi, je prône, tu vois, le fait d'avoir un chief content officer, tu vois, qui serait au-dessus de tout, tu vois, les équipes qui sont sur le terrain et qui sont, si tu veux, au front avec les clients et avec les prospects. Ce chief content officer, c'est à lui ou cette équipe-là de content stratégie, c'est à eux à donner les outils à toutes les autres équipes, qui soient, je te dis, avant-vente, tu vois, commercial, marketing, après-vente, pour bien leur faire passer, en fait, c'est des passeurs, tu vois, pour bien leur faire passer, voilà un peu qui sont nos cibles prioritaires, nos usagers prioritaires aujourd'hui, voilà ce qu'ils attendent. Sachez que les 3 mois derniers, on a eu beaucoup de clics sur des contenus inspirationnels de tel type plutôt que de tel autre. C'est eux qui doivent donner, si tu veux, un peu, tu vois, comme un responsable de Ouais. collection dans une maison d'édition. Ouais. Tu vois? Donc ça veut dire par exemple, alors je vais poser une question parce que pour conclure ce que tu dis, il y a à comprendre à celle de Sébastien. Oui, elle est très intéressante, N'hésitez sa pas question. à poser vos questions. L'idée c'est qu'on bombarde Muriel, hein, elle est là pour ça. Ce que tu viens de dire, donc il faut un chief content officer qui un peu qui dit comment il faut rédiger Un des emails. rédac, oui. De la même Voilà. manière que tu as un rédacteur en chef, tu vois, tu vois, voilà, dans la presse, ou de la même manière, tu as un directeur de collection dans une maison d'édition. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, nous, en termes de design et d'intégration HTML, on fait tout ce qui est ce qu'on appelle un design system email. De dire, bah, à chaque fois que c'est un email promo, vous le designez comme ça, un newsletter, vous le designez comme ça, un email transactionnel, vous le designez comme ça. Le design system email s'inspire de la charte graphique web de base. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait une charte éditoriale? Éditorial, exactement, tout à fait. À minima, c'est-à-dire que cette charte éditoriale, elle comprendrait quoi? Le contrat de lecture ou le contrat relationnel, une tonalité, tu vois, et un registre pour voir un petit peu, tu vois, avec quelques exemples, tu vois. Donc, par exemple, tu prends le, je sais pas si tu connais le site Crisco, le site de, c'est un dictionnaire de synonymes qui est très très bien foutu par je ne sais quelle université, je crois que je sais plus laquelle. Et ben, tu regardes, tu vas prendre un mot, et quand tu vois la pléthore de synonymes qu'on a souvent pour un mot, et où tu sens que tel mot, tu vois, qui sera très usuel, si tu le remplaces par un autre, tu donnes une toute autre ampleur, en fait, tu vois, à ton email. D'accord. Alors, c'est un parti pris. Si tu prends des sites, tu vois, comme Backmarket, ou tu prends des sites comme Selenci, qui sont des exemples que je prends parce que j'aime bien chez Backmarket leur tonalité en ligne, tu vois, et j'aime bien chez Selenci leur email, ils ont une tonalité, tu vois, assez sympa. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont dans une saturation parce qu'ils font un peu ce que tu as dénoncé il y a quelque temps, ce fameux storytelling, tu vois, à la noix, un peu pushy, tu vois, et Ouais. un peu tellement pas naturel que ça gave, en fait, tu vois. C'est grave, ouais. Mais a priori, c'est du chartage éditorial, effectivement. Et c'est vraiment cette idée de se dire, OK, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut jouer sur l'humour? Est-ce qu'on veut jouer sur la peur? Est-ce qu'on veut jouer sur la surprise? Est-ce qu'on veut jouer sur la colère? Est-ce qu'on veut jouer? Et on est dans un travail qui est beaucoup plus d'identité, ce qu'on appelle l'identité discursive. Alors, je vais afficher réafficher la Oui, la question. question de Sébastien. Voilà. Là, il demande la tonalité des messages email peut-être différente de celle du Ben, système. si on passait pour un bipolaire, oui.
Mais après, je pense que non, je pense qu'il est plus intéressant. Ça ne veut pas dire que sur une fiche produit, on aura vraisemblablement la même tonalité que sur la partie des fiches conseils ou le blog du site e-commerce. Mais il faut quand même qu'on retrouve en fait cette identité à la fois sur l'email et puis au moins sur la landing page vers laquelle ça renvoie. Sinon, effectivement, il y aura, voilà, c'est un petit peu comme si on a un rendez-vous avec quelqu'un et puis on a une impression au téléphone et puis derrière, quand la personne, c'est tout à fait différent. Donc, Sébastien, je dirais, il faut de nouveau sur le site internet aller peut-être identifier quels sont les espaces, les contenus qui sont plus transactionnels, fiches produits ou les éléments de rassurance qu'évoquait Marion tout à l'heure, des éléments plus relationnels à propos de nous, le projet, je pense notamment aux chaussures Veja, il faut aller voir sur leur site, leur page, le projet, c'est pas du à propos de nous, c'était quoi le projet Veja à la base, c'est nickel, c'est chouette, c'est du son, c'est de l'image, de la vidéo et du texte. Donc déjà là, on a aussi un mélange de plusieurs voilà de plusieurs formes de contenu. Et puis alors les éléments qui sont plus inspirationnels. Et du coup, Sébastien, si on essaie d'avoir au moins une tonalité ou des éléments de tonalité similaires dans les contenus plus relationnels, inspirationnels du site avec les emails, on a tout bon. Et on laisse effectivement à la partie transactionnelle, c'est-à-dire les fiches produits, ben quelque chose peut-être d'une tonalité un peu plus neutre, un peu plus objective, objectivable, etc. Ça n'empêche pas d'avoir quand même un petit encart un peu plus sympa. Il suffit de regarder Back Market, aller voir les fiches produits de Back Market. Ils font effectivement une fiche produit qui rassure sur tous les éléments de la grille Sonquas, hein, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. Mais il y a quand même de temps en temps un petit dérapage un peu pop, un peu sympa où, voilà, on ne peut pas échapper à soi-même, quoi. C'est la personnalité, Back Market, donner de la personnalité. Alors moi je reviens sur parce qu'en fait ça tu vois je le comprends vachement quand tu es une petite boîte. Tu vois nous chez Bad Sander on est tout petit. Quand on écrit des emails c'est forcément l'un de nous. On est vachement animé par cette boîte. Enfin je pense que quand on rédige nos emails on sent qu'il y a de la sincérité, il y a de la passion, il y a de la motivation, etc. Mais quand tu es une grosse boîte, il y en a plein dans nos clients, des boîtes qui sont rachetées dans tous les sens par des grands groupes. Je sais Marion. Comment Mais donc je tant reviens que sur ces cette grosses boîte, boîtes, comment oui, tu fais? mais j'entends, mais tu as bien raison d'insister, et donc je vais cracher mon sugus, c'est que tant que ces grosses boîtes ne se rendront pas compte que le contenu n'est pas une commodité, que ce n'est pas un Kleenex qu'on jette, tu vois, une fois qu'on a balancé, que c'est aujourd'hui, tu vois, aussi, enfin, ça a toujours été aussi important, tu vois, parce que c'est ce qui habille un email, c'est ce qui habille un site internet, c'est ce qui aujourd'hui soutient en fait la réponse marque plutôt que la réponse produit. Tant qu'ils comprendront pas ça, ben, ils recruteront pas en fait des écrivains publics, des journalistes, tu vois, ou des UX writers pour travailler sur leurs emails. Ils Donc, ça veut laisseront dire ça à que des marketeurs. dans les équipes CRM demain, enfin demain ou dès maintenant, le mec qui est responsable de son équipe CRM, il faut qu'il, dans son équipe, il est quoi? Un copywriter? Bien sûr. Évidemment. Alors, soit il a un marketeur, tu vois, qui est super sensible au contenu, soit il doit avoir effectivement un journaliste, un copywriter, tu vois, un UX writer qui est super sensible au marketing et qui fait pas effectivement que du storytelling, mais qui est sensible à la conversion et qui, quand il a, tu vois, produit et conçu une chaîne de 5 emails, eh ben, il s'assure d'aller voir les résultats, le taux de clic, tu vois, sur quel type, tu vois, de lien il aura mis, etc. Parce que même dans le nombre d'hyperliens que tu vas mettre dans ton email pour t'assurer que tu as bien rempli la fonction transactionnelle, relationnelle, inspirationnelle, même là, en fait, si tu veux, c'est quelque chose qui doit être dans l'esprit du concepteur de l'email en amont. Donc c'est vraiment, tu vois, quand je te parle d'ingénierie éditoriale, c'est une compétence à part entière et ce serait un peu, si tu veux, ouais, une sorte de profil un peu fruste entre du marketing, du copywriting, effectivement, tu vois, et puis cette En plus, compétence empathie relationnelle. carrément, ça pourrait être carrément déjà fait du jour au lendemain. Enfin, il n'y a pas besoin de mettre en place quelque chose parce que maintenant, il y a, enfin, la plupart des annonceurs, ils créent leurs emails via un email builder. Donc, il n'y a plus de compétences HTML et tout ça à avoir. Tu es Non. limite dans un Ce qui est Word. génial, parce Bah que oui, c'est génial. ça montre que tu peux, du coup, tu vois, te concentrer précisément sur le message. C'est l'objectif de l'email builder, c'est de se concentrer vraiment sur le Exactement. et pas sur les paramétrages. Exactement. En Alors, revanche, moi, je ne fais jamais juste pour terminer là-dessus. Tu dis, tu vois, comme ils ont l'email builder et que tout est prêt, ils peuvent se concentrer, à la limite de faire dans un Word. Moi, je ne conseille jamais de faire ça dans un Word parce que le Word est un espace qui n'est pas un espace email. Il vaut mieux avoir, si tu veux, tu prends même à la limite, tu vois, un PowerPoint ou tu prends un de ces outils, tu vois, que tu peux avoir en ligne ou ces éditeurs de texte qui sont un peu plus designés, tu vois, un peu plus. ah, voyons Parce que, ça. mais oui, parce que de nouveau, ce qui est super important, c'est la forme.
Donc la concision dans la phrase, le rythme dans les paragraphes, tu vois, le calibrage est super important. Ou alors tu le fais dans ton Word et tu calibres bien, tu vois, et tu y mets de la typo, etc. Mais bien toujours aussi se dire que le fond et la forme dans un email font vraiment bon ménage, quoi. Alors, moi j'ai une question à prendre. Il y en a deux autres là qui sont en attente. J'ai une question avant de les prendre. Est-ce qu'on peut avoir différents tons entre une newsletter éditoriale, un email commercial, un email transact, un email relationnel? Des fois, il y a des emails qu'on doit envoyer en communication de crise. Donc là, ce n'est pas le même ton. Mais non, Tu ne peux pas alors, être drôle si on tu n'est pas dis. du tout dans le. Oui, tout à fait. Alors, oui, tu as raison. Il faut. Bah, c'est un peu ce que disait aussi, je crois que c'est Sébastien qui posait la question, tu sais, entre les emails et le site marchand. Il y a deux choses aussi. Il faut bien distinguer. D'abord, dans la communication, il y a l'espace public et il y a l'espace marchand. D'accord? Une communication de crise, une communication institutionnelle, une communication, tu vois, tout ce qui est RSE, par exemple, etc., où tu vas parler, tu vois, Yves Rocher qui parle de la fondation. Ça, c'est de l'institutionnel, c'est de l'entreprise, c'est l'espace public. Alors, on a eu ces dernières années, tu vois, une sorte de flou artistique entre cet espace de communication-là et l'autre qui est l'espace marchand. L'espace marchand, c'est quoi? C'est généralement divisé entre la communication sur le produit et la communication sur la marque. D'accord? Communication sur la marque, c'est de l'inspirationnel. Okay. Communication sur le produit, ça va être des emails, tu vois, avec une intention, tu vois, un point de conversion unique, tu vois, où tu veux, je sais pas moi, vendre du Thalys, tu vois, parce que c'est 50% moins cher ce week-end, où tu as un vrai objectif de conversion derrière. Et bien sûr, tu as raison. C'est pas qu'il faut faire tout, tu vois, dans la même tonalité. Tu peux pas, je sais pas moi, tu peux pas annoncer une nouvelle gamme de produits comme tu parles tu vois, de ta vision sur, je pense notamment à la Redoute, tu vois, quand la Redoute communique sur le fait qu'à 2030, elle veut arrêter la fast fashion, tu vois, être que dans du slow fashion, bah, ses emails ne sont pas les mêmes que quand elle annonce la nouvelle collection, tu vois, pour printemps, été 2022, évidemment, tu vois. Donc, on a des tonalités différentes, de la même manière que quand on engueule nos enfants, Marion, ben, on ne parle pas de la même manière que quand on leur offre des cadeaux de Noël. Voilà. Oui, j'ai l'impression que tu étais chez moi hier. Ah, t'as déjà offert les cadeaux de Noël hier, toi? Mais non, mais c'est hier, c'est mercredi, donc elles sont là et nous, des Je fois, vois ma très voix bien. nous augmente un petit Oui, peu. je vois très bien. Alors, il y a Pierre qui pose une question intéressante. Alors, c'est clair que là, tout ce qu'on dit, avoir des beaux mots, même moi, je me le dis, mais après, je vais faire un partage d'écran et on va analyser deux, trois emails voilà, pour être plus en concret. Donc, c'est vrai que c'est joli sur le papier hein, d'avoir un super. Même demain, je vais recruter un chief editor officer. Enfin, c'est vrai que. Et je rejoins Pierre là-dessus, même si ça m'énerve un peu, mais le nerf de la guerre, moi, quand j'ai les chargés de campagne au téléphone, ils regardent conversion, conversion, conversion. Donc, quels sont les futurs KPI afin de valider un ROI? Alors, bon, je peux y répondre et tu t'apporteras ton avis si tu veux, Vas-y, Muriel. Mais vas-y. moi, enfin, quand on veut mesurer vraiment la rédaction, ce que je trouve intéressant, c'est de mesurer le temps de lecture. Je le fais depuis pas longtemps là avec quelques clients, on met un tag de tracking qui nous permet de regarder les environnements d'ouverture. Enfin bref, mais dans ce tag de tracking, on arrive à réussir à lire, à connaître le temps de lecture, donc le temps que les personnes restent sur l'email. Donc je trouve que c'est un bon indicateur pour voir si l'email est lu ou si au bout de 2 secondes il est supprimé en fait. Moi je trouve ça cool pour. Alors on est sur le sujet de la rédaction de l'email, donc. Pour le temps de lecture, je trouve ça cool. Et après, bien évidemment, en marketing par email, ce qu'il faut regarder, c'est le taux de clics satisfaits, enfin le nombre de cliqueurs satisfaits et le nombre de clics sur le lien des abonnements. Donc, calculer aussi le taux d'insatisfaction. Donc, Jonathan, la cite est Jonathan Loriot, c'est il gère le chat. Si tu peux mettre les liens vers l'insatisfaction. En gros, c'est de mesurer le nombre de personnes qui ont cliqué sur des liens satisfaisants, c'est-à-dire des liens dans le message hors lien de désabonnement. Et le taux d'insatisfaction d'un email, c'est de mesurer le nombre de clics sur le lien de désabonnement divisé par le nombre de clics au global de la campagne. Donc, ça met en évidence si les gens sont satisfaits par le contenu ou pas. Donc, si on parle de la rédaction d'emailing, un combo de temps de lecture. Alors, Eva demande l'outil de tracking pour le temps de lecture. Nous, on fait ça sur Email en Acide, mais il y en a plusieurs. Il y a Litmus, à mon avis, aussi qui fait ça. Mais en tout cas, John peut aussi mettre un lien. J'avais mis ça dans un article également. Donc, il y a le temps de lecture, le taux de clic satisfait et le taux d'insatisfaction.
Alors après, évidemment, il y a le taux de conversion, enfin le nombre de conversions. Voilà, le combo de ces quatre indicateurs-là. Et tout ça mesuré dans le temps, parce qu'on est sur la révolution. Je l'attendais, voilà. Ça augmente, c'est parfait. Au coup par coup, hein, ça permet de se rassurer sur la campagne, mais il faut absolument faire des bilans à minima trimestriels pour voir si ça évolue dans le temps. Si ça évolue dans le temps, c'est que la stratégie, et si on reste sur ce qu'on est en train de dire, du coup, la rédaction. Alors, ce qui m'intéresse, oui, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est effectivement dans le temps. Parce que quand Pierre dit, d'abord, tu vois, quand il dit le nerf de la guerre, c'est l'argent, ça supposerait quoi ? Qu'un ingénieur éditorial ou que quelqu'un qui écrit bien coûte très cher ? Ou que former un marketeur, tu vois, à deux journées de, tu vois, de créativité éditoriale, tu vois, pour essayer de caler, parce qu'on peut charter ça, tu vois ? On peut faire des modèles, on peut faire une bibliothèque aussi, tu vois, de typologie de contenu qu'on pourrait réutiliser et qui peuvent… Donc voilà, je mets sur la question de l'argent. Je ne sais pas d'où vient, tu vois, un petit peu cette idée que peut-être que ça coûterait beaucoup plus cher, d'autant qu'à terme, je pense que ça coûte moins cher, en fait. C'est comme dans un restaurant, c'est la mise en place qui est le plus important. Ben, dans une stratégie, tu vois, de contenu, ça peut être la mise en place aussi. Ensuite, je voudrais aussi qu'on parle de convergence des médias. À partir du moment où, dans un email, on doit à la fois équilibrer l'inspiration, la relation, la transaction, ça veut dire vraisemblablement aussi que quand tu vends, par exemple, je ne sais pas moi, un nouveau produit, tu vois, ou de nouvelles fonctionnalités sur un produit, peut-être que tu renverras aussi dans ton blog de rassurance vers un article sur, tu vois, 5 choses à savoir sur cette nouvelle ou cette version augmentée de ce produit-là. Et donc là, tu as du trafic entrant supplémentaire. Tu as de la satisfaction supplémentaire parce que tu rends service, tu vois, et tu n'es pas juste dans ton transactionnel, mais tu inspires. Et donc, ça veut dire que tu as un meilleur engagement aussi, en fait, de la part de ton utilisateur. Et donc, ça veut dire aussi que tu as du meilleur relationnel parce que quand eux recevront ces emails, ils sauront, on dit toujours qu'une réponse marque, c'est la moitié du trajet décisionnel qui est déjà acquise. Et moi, je dis que l'éditorial, l'identité de la marque à travers l'éditorial, elle participe de ces réponses marques. Et donc, elle participe à réduire le trajet décisionnel entre j'ouvre mon email et j'achète le produit derrière. Ouais, je suis d'accord. Alors, je vais afficher des questions. Donc, il y en a un qui demande le meilleur outil pour une collaboration optimale entre design et copy. Alors, je vais répondre, mais je vois que Gaëlle a le même avis que moi. Il y a Figma que nous aussi, on utilise en interne et qui est vraiment sympa pour designer des blocs, les mettre de côté et les reprendre pour d'autres emails, etc. Et ça permet du coup d'aller plus vite dans la création du design et du coup de se concentrer sur le contenu, donc la rédaction. Mm-hmm. Pour moi, ce qu'il faut, c'est avoir un super master template composé de blocs. Exactement. Dans le temps. Hop, on fait le design d'un côté. Après, le design est fait, c'est hyper joli. On se concentre Exactement. Sur le contenu. Du coup, c'est le combo design système email, un super master template et une charte éditoriale. Exactement. Et dans la charte éditoriale, de grâce, donner des exemples. Pas juste faire le schtroumpf à lunettes de ce qu'on peut dire, de ce qu'on ne peut pas dire, mais vraiment exemplifier. Tu vois. Et nous, ce qu'on fait bien souvent, c'est qu'on va prendre, tu vois, des emails qui ont été envoyés et on met les KPI sur le côté, le nombre de clics qu'il y a eu sur les différents, tu vois, liens, pour qu'ils voient, en fait, tu vois, voilà, que ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et puis qu'ils puissent rentrer dans la tonalité aussi. Ouais. Après, voilà, Pierre, en fait, c'est quand, si je reviens sur les KPI, enfin, quand il disait, faut que ça soit le nerf de la guerre, c'est l'argent. Enfin, je voyais ce qu'il voulait dire. En fait, lui dit, une entreprise, bien c'est du fric. Et même moi, quand je fais des bilans statistiques et mes clients, ils disent, oui, ok, Marion, tes bonnes pratiques, c'est canon, mais il faut que ça converge. Donc, il faut que ça convertisse, pardon. Donc, alors, en effet, il faut prouver que ce qu'on met en place est rentable, donc de se concentrer sur le contenu ou d'adopter un chief editor officer, c'est rentable. Tout ça, c'est en mesurant sur le long terme. Puis même, après, je pense que ça se voit. Ça, et puis, Marion, il y a une autre chose, c'est que là, on vient, alors je ne veux pas ouvrir un autre débat parce que ce n'est pas le propos, tu vois, de ce live-ci, mais peut-être qu'il serait intéressant d'arrêter de se focaliser uniquement, en fait, sur la conversion, c'est-à-dire, tu vois, la conversion du panier ou la conversion derrière. Ouais. Quand je dis que dans ton email, si tu as des liens qui vont vers des contenus qui sont plus relationnels, plus inspirationnels que derrière, ça impacte parce qu'il y a quelqu'un, tu vois, boum, tu te prends un abonnement sur Facebook avec un commentaire sur Facebook ou sur Insta et sur, c'est tout de la longue traîne, tu vois, c'est pour ça que je parle de convergence des médias. Mmh. Je pense qu'il est totalement révolu aujourd'hui de croire encore que le seul, tu vois, KPI de conversion, mènera à une pérennité dans l'engagement, tu vois, ce qu'on appelle aussi la performativité de la marque. Aujourd'hui, c'est ça quand même. L'objectif, ouais, c'est que le client… Ceux qui se concentrent sur le contenu, en fait, ça se voit très vite du côté service client.
Parce que les gens qui trouvent que les emails sont au top, qui sont bien chouchoutés, etc., et qui font, enfin, qui font un appel au service client, et ben ils font vite des bonnes remarques, tu vois. Et moi, ça m'est déjà arrivé où on dit ah bah on a eu quelqu'un au service client qui nous a remonté un commentaire d'un abonné, il a été super content de ça, 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 ça a plu. Une fois, on a fait un email juste qui, tout con, hein, qui dans un scénario de bienvenue où qui disait juste bah voilà, vous venez d'être abonné à l'utilisateur, voici ce que vous allez recevoir. Donc, des newsletters éditoriales, des emails promo, des enquêtes, enfin. Mais bref, il y a eu une remontée au service client qui disait ah bah, au moins c'était clair, on sait à quoi on s'attend. Enfin, c'est des petits trucs, mais je pense que le service client peut permettre de remonter rapidement ces choses-là. Et du coup, c'est le lien avec la question de Jonathan qui demande quel est le bon ordre pour la production d'une campagne email pour avoir une rédaction au top. Et je me demande si toi, c'est quoi ton process quand tu parles de bâtir une ligne éditoriale pour des grands groupes? C'est quoi ton process? Est-ce que le premier point, ça ne serait pas de réunir tout le monde autour d'une table lors d'un atelier, y compris, évidemment, ceux qui sont en ligne directe avec le client? Alors, nous, ce qu'on fait, il y a la première, on travaille en trois phases. C'est comprendre et mesurer, planifier, anticiper, produire, engager. D'accord? Ça, c'est les trois phases. La toute première phase, c'est une phase d'analyse qui, effectivement, précède en atelier plus créatif. Et cette phase d'analyse, c'est forcément d'aller prendre un peu, tu vois, les emails qu'on a et à partir de là, avec aussi toutes les données objectivables et objectives qui sont effectivement des indicateurs de performance. Et puis nous, avec des outils qu'on a, qui sont des outils, tu vois, éditoriaux, de faire un peu un diagnostic, tu vois, de la santé éditoriale ou de l'identité de ces emails. Lors de l'atelier, ce qu'on va faire, c'est s'assurer qu'on partage en fait nos outils et qu'on comprenne c'est quoi les outils du designer, tu vois, et les outils. Alors, on a des outils communs, hein, l'architecture d'information, l'information design, c'est des outils communs entre un designer, tu vois, de campagne et un rédacteur. La pyramide inversée, le tunnel de l'attention, tu sais, AIDA, attention, intérêt, désir, action. Ça, c'est des outils communs. On parle un langage commun. Et après, en fait, ben, c'est simplement en fonction du périmètre technique qui est lié souvent aussi à l'outil utilisé que le designer va, un peu comme l'architecte, va lui dire, ben voilà, je te propose ça comme architecture. Et puis derrière, on va construire les murs et donc tout ce qui est le côté de l'entrepreneur, on va le faire ensemble. Et puis le rédacteur, il va amener, mais même le designer, plus la touche, si tu veux, la déco d'intérieur, tu vois, en dernier. Donc, c'est un travail qui, en fait, est toujours en binôme. Maintenant, ça ne répond pas à la question de Jonathan. Je pense que la toute première phase, c'est effectivement, une fois que le design technique a été fait, une fois que le design graphique a été fait, c'est que le rédacteur, déjà, arrive avec son chartage, sa sémiologie texte et partage ça avec le designer, qu'on coule le texte dans un ou deux, ou en tout cas deux, trois emails différents dans ce template pour s'assurer aussi, tu vois, que ça fonctionne quand les emails sont un peu plus longs, un peu plus courts, etc. Et après ça, j'ai envie de dire, ils peuvent travailler de manière très, très autonome parce qu'il faut charter de la même manière, je le dis tout le temps, quand tu prends quand tu prends la presse quotidienne, tu vois, on a des milliers de titres de presse dans le monde et on a 8 formats de journaux. Tu prends le format italien, le format anglais, le format, tu vois, français, il y a 2 formats en France. Donc, je veux dire, et or, si tu sais faire la différence entre une signature Figaro, une signature Le Monde, en Belgique, la Libre Belgique, Le Soir et autres, c'est exactement la même chose. Donc j'ai envie de dire… Pour bien comprendre, toi, quand tu livres une charte éditoriale, à un moment donné, tu vas dire, bah voilà, quand vous parlez d'email promo, c'est un peu ce ton-là, un des exemples. Comme ça, ils ont en fait comme un cahier des charges à côté où ils ont, le jour quand ils disent, bon merde, c'est Black Friday, il faut que je fasse un truc, ils vont piocher dans ce bloc-là. Oui. Quand c'est de la newsletter, en fait, tu fais des exemples comme nous, on fait des exemples de design system. Exactement. Et dans ce premier atelier qu'on va faire, tu vois, de co-construction avec, comme tu le disais d'ailleurs, hein, des représentants de, tu vois, du marketing, de l'avant-vente, le service client, etc. Un des exercices que moi, j'adore faire, c'est si votre communication email ou si la personne qui écrit l'email ou qui devait représenter, tu vois, si votre avatar était une chanson, qu'est-ce que ce serait? Si votre communication email était un pays, si votre communication était une voiture, si. Et alors là, tu te retrouves autour de la table avec des gens qui ont des conceptions différentes, mais aussi des conceptions similaires. Et c'est à partir du moment où tu vois que, ben tiens, ce serait une chanson italienne, une chanson d'amour,
Ah ben tiens, ce serait une chanson plutôt allemande, Eins, zwei, drei, Polizei. Mais tu te rends compte que là, on commence à créer une culture, en fait, et qu'on a des éléments culturels communs, ou qu'on a des, tu vois, des éléments d'identification communs. C'est juste aller chercher ça, et ça, on l'a dans la boîte, de toute façon, même dans les grandes boîtes. Alors, je vais te partager mon écran. Enfin, je vous. Vous le voyez ou pas? Oui. Vous voyez quoi? Vous voyez On voit bonsoir. des femmes à poil à droite? Alors, ça, Pas c'est tout à fait à poil, pas encore tout à fait à poil. C'était Demain, pas j'enlève le voulu. haut, c'était ça? Oui. Bon, je ne sais pas. Là, c'est un email que où je disais, tu vois, c'est l'exemple, à mon avis, de toute petite boîte. Donc, bonsoir, c'est un exemple, c'est un magasin de. Enfin, c'est quelqu'un qui font du textile, de lingerie, non, pas de lingerie, enfin, pour les draps, les couettes, tout ça. Je perds Oui, mes mots. d'accord. OK. Et en gros, ils disent, bon, voilà, Nicolas, donc apparemment, Nicolas, c'est le fondateur de Bonsoir. Il a quelque chose à nous dire. Et il dit juste qu'il ne va pas le faire Black Friday et tout ça. Donc là, ils parlent à leurs clients en disant, t'arrives à lire ou pas? Oui, c'est pour ça, parce que je t'écoute pas, parce que je suis en train de lire, en fait. Et je suis déjà en Alors. train de m'énerver parce que c'est n'importe quoi, ce qu'il veut. Mais bon, c'est pas grave. Ah bah oui, bah, du coup, ça m'intéresse. Donc là, en Mais gros, il écoute, dit. voilà, c'est Nicolas, tu vois, on n'a pas sa trombine. Est-ce que Nicolas, il écrit centré comme un menu de communion? Quand toi, tu écris à une copine ou tu écris, tu vois, à des gens, tu n'écris pas centré, est-ce que tu fais des phrases qui font. Attends, il doit y avoir 22 mots dans la première phrase. Vous le savez, cette année encore, nous avons choisi de ne pas succomber au rythme effréné des soldes, mais plutôt de vous faire profiter du prix le plus juste toute l'année. Vas-y, Ça respire, respire. pue. Ça pue le. Tu vois? C'est fake, ça se voit tout de suite, c'est pas Nicolas qui parle, ça se voit qu'on a essayé de transposer, tu vois, le message d'un patron qui, mais c'est pas rythmé, c'est pas du, tu vois, c'est pas une phrase courte, y a pas de rythme, et puis alors tout d'abord, merci pour votre incroyable fidélité, point d'exclamation. Donc c'est tellement attendu en fait, tu vois, c'est tellement attendu que c'est déjà saturé au démarrage. Mais ça, malheureusement, Marie, on Surtout que s'excuse j'ai de ça encore jamais rien acheté chez eux. parce que c'est aussi une. Tu vois, c'est une. Voilà, quand je te dis, c'est une compétence, tu vois. Voilà, tout le monde n'écrit pas des romans qui viennent, tu vois, d'avoir le prix Renaudot, le prix Goncourt, le prix. Tout le monde n'écrit pas, tu vois, d'éditorial, il n'est pas. Donc ici, ce qui m'ennuie, c'est pas tant, si tu veux, que. C'est pas tant la manière dont c'est écrit et de. Ce que je n'aime pas, c'est quand on fait passer un message, tu vois, par Nicolas, le fondateur, mais que ça sent bien que c'est. Il y a quelque chose qui manque d'authenticité, et certainement pas de sincérité. Mais qu'il y a quelque chose qui manque de sincérité, de sincérité ou de, je ne sais pas. Dans le traitement éditorial, il y a quelque chose qui fait fake. Je crois plus en Cerise de Groupama qu'en Nicolas de Bonsoir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et donc après, lui, il dit qu'en gros, il ne Alors, fait pas regarde, de regarde. Ouais. Pourquoi aussi, tu vois? Alors, parce que dans la manière dont c'est. Alors, je n'aime pas qu'on y ait mis un call to action, je soutiens l'initiative, tu vois, en dessous de Nicolas, le fondateur. Pourquoi il ne s'est pas présenté tout en haut? Bonsoir, c'est Nicolas, c'est moi qui ai créé, tu vois, dans ce langage qui est typique au web, qui est entre l'oral et l'écrit. J'avais écrit, je ne sais pas si, ben oui, Jonathan est dans la salle, pour un de vos calendriers de l'Avent, je pense il y a 2-3 ans, j'avais écrit un article qui s'appelait Épistolaire, mon cher Watson, où je dis, quand on écrit à quelqu'un, quand on laisse un petit mot sur la table pour quelqu'un, on s'adresse à lui, tu vois, on s'adresse à lui. Et là, ici, il se présente pas, on sait qu'à la fin que c'est Nicolas, tu vois. Donc, je trouve qu'il y a une maladresse là-dedans, les phrases sont trop longues. Oui, il y a quelque chose, tu vois, on doit tout lire. Tu peux remonter un tout petit peu, si tu veux bien, Pardon, sur l'email. pardon, Ah. c'est autre chose. Non, mais je Bon, pense que de toute façon, tout le monde a compris. Tout le ok. monde a compris. Là, il y a un truc où je me dis, regarde, ça, c'est un email relationnel, entre guillemets. Donc, Fourgon, c'est une boîte qui fait de la consigne, tu sais, c'est un genre de Ouais. brasseur, comme avant, quoi. Oui. Moi, je trouve ça pas mal d'un point de vue marchand. En gros, j'avais commandé il y a 2 mois, j'ai pas recommandé. Ils me disent, quand est-ce qu'on repasse chez vous? Oui. Alors, ça a mal été câblé parce qu'en fait, j'ai acheté énormément. Je me suis lâchée sur la dernière commande. Donc, en fait, j'en ai limite bon, là, ça. Jusqu'à Noël, enfin bref. Donc, ils ont mal câblé parce que normalement, ça devrait être câblé en fonction de la quantité que tu achètes. Mais bon, ça, c'est un problème du OK. déclencheur, peu importe. Et là, mais je trouvais ça quand même intéressant parce que peu de marques le font. C'est quand est-ce qu'on repasse chez vous? Je te laisse lire de quelques secondes.
Alors déjà, ils écrivent, tu vois, c'est aligné sur la gauche, c'est ferré sur la gauche. Alors ça, oui, effectivement. C'est con, tu vois, mais c'est vrai que j'ai une obsession, et après, c'est peut-être, tu vois, devenu un peu un trouble obsessionnel, mais qu'il n'y a rien à faire. L'œil humain, tu vois, doit pouvoir lire de gauche à droite et ne de pas devoir à chaque fois récupérer, tu vois. Alors, il vaut mieux indenter les paragraphes pour avoir quelque chose d'assez centré plutôt que d'aller faire, tu vois, je te dis, ce central du texte centré. Je trouve que ces histoires, tu vois, ces listes à puces qui n'en sont pas, c'est du bruit visuel pour moi. Tu vois, c'est sympa, on a Ça voulu là, faire quelque chose. Oui, voilà, les c'est du émoticônes. bruit visuel. Ne pas oublier aussi, ça je voudrais le dire, c'est que tout ce que vous allez utiliser comme habillage graphique peut paraître pour l'utilisateur final un parti pris éditorial. Donc, ça dit qu'à partir du moment où on va utiliser des listes à puces, tu vois, le mec, il va dire, attends, c'est un trèfle à quatre feuilles ou c'est quoi, c'est un arbre ou c'est à quoi ça sert? Ah, et en dessous, c'est un de là. Bon, c'est presque inconscient, c'est infraconscient, mais c'est du temps de cerveau qui est inutile par rapport au sujet, tu vois, qu'il y a dedans. Encore, si tu veux, on aurait mis en gras, par exemple, dans la liste à puces, les éléments saillants pour les faire ressortir. Ça aurait été plus sympa. Et en dessous, Bah ça, alors, c'est comme tu dis, ce que j'appelais le bloc de réassurance, tu vois. oui. Enfin, de livraison le même jour, zéro contrainte, zéro déchet, 100% plaisir. Salut Audrey, j'espère que tu vas bien. Oui, alors le bloc de réassurance, pour moi, il doit être dans la réassurance. Donc, il ne s'agit pas, tu vois, d'aller faire les cow-boys et d'aller faire. Il doit être simple, accessible, en langage clair et rassuré. Donc, tu vois, c'est. Donc, moi, j'ai Pas aucun mal. souci. Ben, il est très bien, il est Ouais. super. Il est parfait, tu vois, il n'y a rien à dire là-dessus, tu vois. Par contre, ce qui m'ennuie un petit peu, déjà tout en haut, tu sais, c'est que se dire aussi, moi, je considère toujours le. Je t'ai dit, tout en haut, c'est le micro-conduit d'appel, même plus haut, tu vois. Voilà, là. Tu as fourgon, puis tu as la tête de ce bonhomme. J'adore, tu vois, j'aime bien le. Mais pour moi, il manque quelque chose, quelque chose qui est muet là-dedans. Ouais, il est Alors, vide. est-ce que. Tu vois, est-ce que ce serait la baseline, le slogan de fourgon en dessous, une petite, où on mettrait une infobulle, tu vois, sur la tête du mec, tu vois, pour que ça fasse encore un peu plus, tu vois, voilà, un peu plus incarné. Enfin, il y a une sorte de silence comme ça, un peu comme quand tu t'appelles quelqu'un et puis tu as entendu que ça décroche, mais tu ne sais pas s'il est là ou pas. Tu dis, allô, tu m'entends? Et on a ce silence-là. Or, tu dis toi-même, c'est les 2 à 3 premières secondes, tu vois, qui vont déclencher, en fait, tu vois, le relationnel dans l'email. Ah, je te montre Alors. un email purement Oui, promo pour vas-y. Noël. Ouais. Donc c'est voilà. Alors, c'est très bien de travailler sur l'urgence, évidemment. Tu vois, dernière semaine, il y en a beaucoup qui utilisent aussi le countdown, tu vois, donc ça, c'est pas mal. J'ai un gros souci de nouveau de représentation graphique. Tu vois, c'est nouveau centré, c'est tout empaqueté, c'est un seul blog. Alors, on a du coup dû surligner un truc pour le faire ressortir, mais du coup, ça prend toute la place, tu vois. Et donc, et alors après, tu dis, bon, Noël, c'est dans moins de 7 jours. Pourquoi est-ce que le moins de 7 jours, c'est un mois et c'est pas un moins, tu vois, en toutes lettres, si vous n'avez pas terminé. Alors, ça, je dis souvent, plutôt que de, si vous n'avez pas terminé vos cadeaux, vous pouvez toujours opter pour un abonnement magazine. Dans un email, c'est pas ça qu'on dit, c'est, vous n'avez pas terminé vos cadeaux? Point d'interrogation. Optez pour un abonnement magazine. Tu vois, c'est tac, 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 Oui, concision, en c'est le fait, tu rythme, quoi. vois. Ce que tu disais au C'est niveau le du rythme. rythme. C'est le rythme, tu vois. Et donc, Beaucoup. pas de phrases avec 2 propositions enchâssées, etc. Non, c'est aller dans le rythme, dans la concision, pouvoir retirer un mot inutile. C'est pour ça qu'il faut choisir ces mots avec scrupule, parce que tous les mots inutiles, on les vire, en fait. OK. Et après, tu vois, je me demande dans les comportements, quand on a, tu vois, actu, mode déco, etc., si les gens n'ont pas eu, tu vois, tendance à cliquer dessus en croyant que c'était un lien ou pas. Tu vois, c'est quoi le parti pris d'aller mettre ça en surlignage? Vous mettre Et en évidence. pourquoi se fait. Oui, mais du coup, dès que tu mets en évidence, regarde, dans une page web, quand tu mets en évidence, qu'est-ce que tu mets en évidence? Tu vas avoir la titraille, tu vas avoir le gras et les hyperliens. Et donc ici, il y a quelque chose qui est un peu. Donc j'en ai pas un qui est gagné. Non, mais attends, c'est parce que tu vois, je suis hyper exigeante et que je suis hyper, tu vois, c'est pas ça, mais tu le sais bien, d'abord, d'un côté, on peut toujours faire mieux. D'autre part, c'est parce que allons jusqu'au bout, tu vois, de l'exercice d'éditorialisation. Et troisième chose, le mieux, l'ennemi du bien. Donc, tu m'as pas dit, tu vois, derrière, c'était quoi les KPI, parce que tu les as pas. Mais je ne vais jamais critiquer, là je te donne des exemples, mais je critiquerai jamais un email client ou quand on a un projet de stratégie éditoriale sans avoir vu les indicateurs de performance, les compétences tu vois, et les aptitudes au sein de l'équipe et les objectifs, comme l'évoquait tout à l'heure Pierre.
Tu vois, ben, Muriel, oui, on voudrait bien bosser avec toi, mais tu vois, on n'a pas de budget. Qu'est-ce que tu peux faire en 2 jours? Qu'est-ce que tu peux faire en 3 jours? Tu vois, ou Justement, j'ai. c'est Oui. possible de faire des. Quand on a peu de budget, mais qu'on va avoir comme ça une analyse pertinente, péchue, c'est hyper Ben agréable. oui, parce que tu sais, ben, j'imagine que vous avez ça aussi, vous. Nous, on est aussi, tu vois, une agence de taille très modeste. Et ce qu'on adore, nous, c'est ben, co-construire, en fait, les stratégies avec le client. Et donc, c'est, tu vois, c'est un peu le truc de. On arrive en amont avec notre compétence, notre regard à nous. On fait un petit diagnostic. Et puis derrière, on fait un atelier, bien souvent, tu vois, qui à la fois sert à partager ce que nous, on a vu, sensibiliser, montrer les outils qu'on a utilisés pour le diagnostic. Et derrière, bah, c'est que de l'exercice, en fait, avec le client, en mode un peu créatif et pilotage. Et donc, ça veut dire que même sur 3 jours, tu peux déjà, tu vois, Ah, putain, tu faut peux trop déjà qu'on faire bosse beaucoup. ensemble. J'aimerais bien faire un audit. Tu sais, nous aussi, quand on fait des audits, on part sur les perfs, etc. Alors nous, on analyse hein, les emails plutôt sur le code HTML, bien évidemment, parce qu'il faut que ça passe, pour la qualité. Sur le design, là, on est aussi hyper balèze. Sur la rédaction, on donne notre avis, mais aller plus loin, en mode sans que ça fasse des budgets astronomiques, parce que bah évidemment. Tu sais, c'est que, Et alors, nous aussi, puis, nous, on doit bien bouffer à la fin du mois aussi. exactement, tout à fait, non, et puis je pense que ce qui effraie souvent le client, c'est un peu ce qu'évoquait Pierre, c'est de dire, mais attends, je ne vais pas aller payer, tu vois, 3, 5, 10 jours juste pour me faire une stratégie, une charte, tu vois, I swear that I will use those words. Mais parce que ce n'est pas comme ça qu'on conçoit les chartes aujourd'hui, c'est quelque chose de très concret, tu vois, c'est du 1, 2 à 4, c'est une checklist, mais par contre, ce qui était important, c'est de travailler en amont avec les équipes. Pour que, au fond, si tu veux, cette charte, ce soit plus qu'une anti-sèche, tu vois, ou un copion, Ah, comme on dit en c'est ça. Belgique, tu vois, et voilà. Carrément. Alors, j'ai une question de Eva, et puis après, on va s'arrêter là parce que mais j'aimerais bien continuer la conversation. On fera un deuxième live d'ailleurs. Est-ce que dans la prestat de service, on doit avoir un bloc d'assurance? C'est avec le bloc de rassurance, ça, non? C'est plutôt ça. Je ne sais pas Non? trop si C'est. elle peut développer. Oui. Je pense que c'est ce que, bah, c'est ce que tu, si c'est ça, c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure, qu'on Oui. termine effectivement toujours, tu vois, un email là. Alors aussi là-dessus, d'ailleurs, je voudrais dire, Est-ce que c'est c'est important pour que. te terminer sur un. Nous, tu vois, d'un point de vue structure, on dit souvent bloc de réassurance avec les valeurs, etc., puis le bloc contact. Est-ce que c'est Exactement. important de terminer par ça? Parce qu'en Oui, fin de c'est compte, on va important. chier, hein? C'est On va chier. important. Et alors souvent, tu vois, on a des clients qui disent, bah, il est trop long cet email, il y a trop de contenu. Mais. Voilà, faut pas déconner, c'est un peu comme quelqu'un, tu vois, qui gère bien son appétit, c'est il vide pas son assiette, tu vois, s'il a plus faim. Un utilisateur qui est devant son email, ce qui va l'intéresser, tu vois, bah, il va le choper directement. Et s'il n'a pas besoin de ces éléments de rassurance, il les utilisera pas, tu vois, il les ignorera. Mais il y en a peut-être un qui, tu vois, pour le coup, dira, bah, cette fois-ci, j'ai vraiment envie d'acheter chez eux, je craque, et qui sera bien content d'avoir ces éléments de rassurance-là dès l'email avant la landing page. Et donc, pour moi, ça ne me, oui, je pense que c'est un vrai élément. D'ailleurs, il suffit de faire des tests, hein, souvent. Nous, on l'a fait, ça, Ouais, mais des tests, sur, vu que c'est pas cliqué. ben, c'est-à-dire que tu fais des. Ah ben oui, ben alors ça, tu dois sacrifier 1% de ta base de données sur ce type de test. Hein. Nous, ce qu'on a fait, c'était avec. Comment il s'appelle? Attends. Le groupe Wurt. Tu vois, Wurt, c'est des équipements de Ouais. travail, etc. On bosse avec eux. Et ils ont une sous-marque, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est du côté de Strasbourg. Je sais plus, oh, je ne sais plus. Et donc, on avait travaillé avec eux. Et les tests, tu vois, de rédactionnel et avec bloc de rassurance, de non-rassurance, on l'avait fait sur une infime partie de clients très, très, très fidèles qu'on avait, nous, interrogés au moment de la stratégie en amont pour voir s'ils lisaient les emails. Si... Donc, en fait, ils étaient au courant plus ou moins, tu vois, ces gens-là, qu'il y avait tout un travail, tu vois, de reconception de la communication email et newsletter qui était en cours. Et donc, c'était un petit peu biaisé, mais on a fait effectivement le test entre, tu vois, des emails avec bloc de rassurance, pas de bloc de rassurance. Et ben, du coup, comme c'était des clients très, très fidèles, ces chiffres n'étaient pas du tout, tu vois, objectifs. Enfin, tu vois, on ne pouvait pas les interpréter parce que des clients très fidèles qui achètent tout le temps, ils n'ont pas besoin du Forcément, bloc de rassurance. Tu vois? Bon, bah écoute Muriel, merci beaucoup. Je vais Ben, même merci à vous. afficher, je ne sais pas si tu les vois, mais voilà, ça a beaucoup plu ils ont aimé ta spontanéité, ta franchise et ton énergie. Donc Merci, merci merci. d'avoir accepté Merci à vous l'invitation. tous. Merci à vous tous. Merci Marion, c'était super sympa. Quand tu veux.
Bah écoute, je pense qu'on va en faire un deuxième et puis peut-être, tu sais, analyser vraiment concrètement. Alors, on l'a fait rapidement en quelques minutes, mais peut-être faire un live que là-dessus, peut-être avec même des emails que toi, tu as Oui. rédigés, des exemples vraiment concrets. Alors, juste pour ceux qui nous écoutent, on organise donc, vous savez, des lives assez régulièrement. On parlait de design system email, on en organise un live là-dessus le 13 janvier. Donc, toujours à 11h, on organise un autre fin janvier sur le centre de préférence, le Preference Center. On en organise un sur le patron, donc notre email builder, sur les statistiques, comment mesurer le ras-le-bol de vos abonnés. Enfin bref, toujours des sujets autour du canal email. Donc, n'hésitez pas à voir sur notre site, on a un petit menu. Il y a un onglet qui s'appelle Live et vous avez toutes les dates du live et tout ça pour ajouter à son agenda. Eh ben, Top, merci beau beaucoup et puis à programme. mon avis, on se capte très bientôt. Super, parfait. Salut tout le Merci monde. Marielle. Bonne journée. Ciao. Ciao.